Allez, coucou les amis, on va refaire un petit tirage. Cette fois-ci, on va faire castagnette parce que j'ai cru que je l'avais fait tout à l'heure. Et en fait, non, je ne l'ai pas fait. Donc, je vous mets sur les, hop, sur les cartes. Bon, j'ai déjà mélangé comme ça à la main. Hein, comme ça, hein, j'ai déjà mélangé. Voilà, vous voyez comme ça. Mais bon, là, il y a deux cartes qui tombent. Alors, castagnette, les cartes qui sont tombées, c'est vol, perte, donc abus de confiance et les médicaments. Donc, les médicaments, pour moi, c'est les traitements se feront par voie orale. On trouve un nouveau médicament ou une histoire de drogue. Voilà. Donc, abus de confiance et drogue. OK? Voilà. Mais ça, c'est... Enfin, normalement, moi, la drogue, j'avais vu ça pour Pinocchio. Mais bon, bah, peut-être que c'est la bande à Basile. Hein. Peut-être que... Voilà. Peut-être que c'est un clan. Hein. Qu'est-ce que vous pensez? Je ne sais pas, moi. Bon, allez. Qu'as-tu à me dire pour castagnette. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour castagnette? Changement. Bon, allez, hop, dégage aussi, tiens. L'euro. Ennui de santé. Personne dans son entourage pas loyal et malveillant. Tromperie, duperie, toxique. Des difficultés. Castagnette. J'ai eu ami, donc complicité, confident, mais vous avez vu, là, je l'ai eu à l'envers. Alors, bon, comme il y a le roi et tout, hein, castagnette. Castagnette, attention, il y a le peuple sur la gueule, le castagnette. Aussi. Alors, sur le changement, il y a le peuple. Nation, pays, population, manifestant. Sur le roi, il y a le soleil. La clarté, la chaleur. Donc, on va avoir... on va avoir de la clarté sur, sur castagnette, sur ses tromperies et sa duperie, là. Voilà. Sur les amis, à l'envers, on a les oiseaux. Et vous voyez, dans les oiseaux, moi, j'ai marqué hein, courte difficulté. Hein. Donc, il y a peut-être des problèmes avec ses amis, castagnette. D'ailleurs, on ne voit plus beaucoup celui-là-ci. Moi, je ne sais pas, je ne vois pas. Oh, oh, bah, putain, les cartes à castagnette ne sont pas meilleures. Oh, là, 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 bah, ils ne sont pas meilleurs, les gars. Alors... On a le désert, hein. Vous voyez, regardez, amis à l'envers, les oiseaux, et là on a le désert. Il a abandonné, seul, inexistant, il n'est plus écouté, c'est mort, castagnette est mort. Sur le roi, le soleil, on a la tempête, perturbation, agitation, déchaînement, explosion. Alors, voilà, après on a le changement, le peuple, et là on a le jugement pour castagnette. Voilà, décision finale. Il est jugé. Voilà. On en tire encore une. Et il y a des ennemis, regardez. Poignard dans le dos. La sagesse. Il y a la sagesse. Et la compassion. Voilà. Bon, bah c'est pas bon non plus hein, pour castagnette. Hein. Hein? C'est mort, hein. Castagnette. Allez, hop, jugez aussi, basta, bon voyage. Allez, encore un de plus dans la corbeille. Hein. Moi, j'aime bien quand ça se passe comme ça, vous en pensez, vous? Et si on parlait de l'autre, là, mais je sais pas son nom, lui. Le tétard à lunettes, là, le chef des flics, là. Comment il s'appelle? Merde. Comment il s'appelle, ce con, là? Mais si, le nouveau bidule, là. Oh putain, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, vous allez me comprendre. Ou sinon, je vous le mettrai. Alors, lui, il y a des amis. Hein. Complicité, confident. Ses amis, c'est les ministres et puis. Et puis Tarton, Pion, Pinocchio. Bon, il y a l'euro. Donc, il y a des difficultés. Hein. C'est tromperie aussi. Du prix, toxique. Voilà. Alors, après, il y a la clé. Découverte, solution, décision. Bon. Attention, danger. Ah, c'est un mec. Oh, j'en ai des frissons. Oh là 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 là. Cette personne est dangereuse. Hein. C'est marqué. Hein. J'ai mis. Hein. Cette personne est dangereuse. Si votre question concerne une personne. Donc, ça concerne ce tétard à lunettes, là, ce nouveau truc, là, celui qui. Bénédiction. Bon, lui, c'est pareil. Hein. Il y a la grâce. Les enfants, attention. Oh là 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 là.
Qu'est-ce qu'il va nous faire à nos gosses aussi, lui? Les épreuves. Alors, il va être mis à l'épreuve, lui. Il va être mis à l'épreuve. Allez, une carte. Solitude, bah, il va se retrouver seul aussi, lui. Il va se retrouver seul aussi, lui. Allez, rapidité. Voilà, rapidement. Rapidement. Merde, c'est quoi son nom? Oh là 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 là. Moi, je suis pas douée là-dedans. Hein. Normalement, je suis la politique. Bon, alors, toute cette merde-là, c'est mort. Si, vous savez, celui qui donne les ordres aux flics, la merde, comment il s'appelle, lui? Bon, c'est un mince, avec des lunettes, là. Peut-être un lunette, moi, je l'appelle. Ah, parce que je peux pas le sentir, celui-là. Quand je le vois, j'ai les poils qui dressent, quoi. Oh. Bon, on va faire qui? Business, business, Buzyn, voilà. Hein. Alors, est-ce que Buzyn... va avoir des problèmes avec les révélations qu'elle a faites, puis à cause de ce coronavirus, de ce virus à couronne, Buzyn, mutation. Mariage, union, la porte. Alors elle, il y a un changement de poste hein, pour elle. Elle va dégager. Il y a un changement de poste. C'est un changement radical. Elle va s'épanouir hein, une fois qu'elle sera partie. Elle va voir un bout du tunnel aussi. Elle va trouver une solution. Bon, après, il y a le soleil. Il y a les parents. Il y a un jeune homme encore avec elle. Donc, peut-être un jeune homme qui va l'aider. Ah, mais il y a les nuages. Attention, hein, tout s'assombrit. Hein. Tout s'assombrit hein, pour elle aussi. Pour l'instant, voilà, les secours. Les secours. Donc elle a du soutien, elle. On l'aide. Puis on va la pardonner. Retour au calme, indulgence. On va la pardonner. Bon, peut-être qu'elle a sagesse. Courage. Elle entreprend, surmonte les difficultés. Elle a une force mentale, cette dame. Et puis la compassion. Bon. On a de la pitié pour elle. Hein. Compassion. Voilà. Mais attention, hein, c'est pas fini. Hein. Et les gilets jaunes. Elle va devoir être punie aussi, elle. Hein, je le sens. Hein. Les gilets jaunes ne vont pas laisser faire. Réussite. Alors pour les gilets jaunes, il y a des réussites. Et attention, cette femme aussi, c'est un danger. C'est un danger. Moi, je vous ai dit qu'elle était pas sainte dans ce coronavirus. Après, son mari travaillait dans ce labo là-bas à Uruguay. Hein. Donc, voilà. Je sais plus. Puis regardez, il y a une carte qui se retourne et puis c'est la tempête encore pour elle. Donc c'est pas bon. C'est pas bon. Ça présage pas de bon. Bon, qui c'est qu'on fait encore? Bon, je sais pas, hein, je sais plus. Allez, on va faire l'évolution du coronavirus, du Covid-19. L'évolution. L'évolution. Alors déjà, vous voyez, j'ai eu la femme à l'envers. Alors, c'est une dame brune. Vous voyez, on vient de parler de Buzyn. Et donc, j'ai la femme à l'envers. Quand on demande pour le coronavirus. Avec une jeune fille brune aussi. Ou avec des cheveux foncés. Voilà, on a vol perte. C'est abus de confiance, escroquerie. Hein, manipulation, tromperie. Détournement, cambriolage, perte. Voilà. C'est elle, les responsables du coronavirus. Hein. Donc, Buzyn est responsable du coronavirus, je vous l'avais dit. Avec un jeune homme aussi. Retour au calme. Attention, elle a des adversaires. On s'oppose. C'est un combat, un conflit, une compétition, de la concurrence. Son adversaire, c'est une personne méchante, d'une moralité douteuse, au caractère violent et agressif, magie noire. Ben, vous savez qui c'est, ça, hein? C'est Pinocchio. Attention.